originelle du crédit, enfin, en tout cas, qui leur est communément reprochée, est-ce que ça a engendré un boom du microcrédit, notamment dans les pays développés, dans les pays occidentaux? On a vu la grande banque ouvrir une succursale à New York. Et on peut dire en quelque sorte que la microfinance est la seule pratique qui vient du Sud pour aller vers le Nord. Et c'est une pratique qui permet de créer la pauvreté. Donc ça, c'est une conséquence directe du crash de l'année dernière. Et effectivement, on a vu ça avec le succès en France de la nuit et des structures comme ça, comme tout à l'heure. Mais disons que c'est une réponse à une partie de la crise économique. Maintenant, les gens peuvent entreprendre par eux-mêmes. Juste comme ça, la grande mouvement, c'est peut-être que c'est la banque de Mondelez, que notre prix Nobel de l'économie est l'un des inventeurs du microcrédit. Il pense à la Wall Street, non? Pas tellement. Il y a un autre avantage, je pense, que vous avez oublié de souligner, c'est qu'on permet donc, à ces populations d'entreprendre sur la durée. Parce que souvent,